Du, 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 du. I'm on, I'm in love I'm so lost without you I know you were right Believe in this something I'm on, I'm in love I'm so <coughs> lost without you I know you were right Bon matin! Bon matin, bon matin, bon matin. Avez-vous écouté les débatteurs hier? Un bon débat, c'était le fun. T'éléphone. Peut-être toujours trop gros comme d'habitude, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Comment ça va? Oubliez pas de faire un like en arrivant. Hein? Ça fait une grosse différence. Bon matin, Kat. Bon matin, Chantal. Pour comprendre pourquoi je chante ça, vous allez devoir écouter euh, en prenant votre café, mais demain matin. Vous pouvez l'écouter aujourd'hui aussi. Là. Je pense que j'ai un bon show. Salut Momo! Mais vous allez comprendre pourquoi que je chante. Euh, I'm, on, I'm in love. I'm so you I know you were right. Vous voyez comme je suis bon dans les karaokés, moi. Dans les karaokés, là, je te torche ça, là. <laughs> Bonjour, Julie Rainville. Julie, t'es pas la seule à qui je dis Julie Rainville, hein? Que je mets le nom de famille. Vous êtes deux. Tout, Salut, salut. Je viens de prendre une tasse blanche et je viens de retrouver. Je ne les utilise pas souvent, mais regardez, il y a des tasses. Une tasse à soupe menestrone. Et euh, cette tasse-là, j'en avais ramassé trois. Euh, trois tasses en le 15 avril 1996. Non, non, je pas demandé à ChatGPT GPT pourquoi. Je vais, vais m'informer. <laughs> Et je l'ai gardé parce que je venais de terminer le marathon de Boston. Et il, donnait une, il donne une, une chose en aluminium en finissant le marathon. Et, euh, et il donne une soupe. Et j'avais frappé le mur à, à Boston. Frapper le mur dans un marathon, c'est. Euh, tu coup elle à un moment donné, il y a un mur. Et puis, boum, t'arrêtes. Je l'ai frappé euh, Heartbreak Hill, puis euh, j'ai été obligé de. J'ai l'arraché à Tabarnouche pour finir. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà. Hein? Fait que c'est la tasse du marathon de Boston. Depuis 1996, je l'utilise presque jamais, que je ne veux pas que les tempes appartent. Donc, euh, je n'ai pas grand cossin. Je n'ai pas de bijoux, j'ai n'ai ben, plus de montre. Euh, je ne suis pas un collectionneur de rien. Euh, même le vin, je le bois maintenant. Mais, euh, c'est le genre de tasse que, quand je vais être vieux puis je me avec une pipe, là, je ne fume pas de pipe, mais il me semble que quand tu es vieux, tu fumes une pipe. Merci, hein? les guimauve sur la braise. Oh my God, c'était trop bon. Ah oui, tu étais capable de le faire. Euh, parce que nos guimauves, euh, c'est soit que tu le fais extrêmement tranquillement ou tu le torches solide. Entre les deux, euh, Entre les deux, ça marchera pas. Là. Il y a beaucoup de commandes ce matin. Je ne sais pas, des fois, je me demande, je regarde les gens sur le site, je me dis, comment ça se fait qu'il y a autant de monde à cette heure-là? Donc, euh, avec fauteuil en cuir et bougie cigare, effectivement. Ça va être ça, là. Il me semble que je ne peux pas t'imaginer. Écoute, il faut que je retrouve une photo de mon grand-père qui fume la pipe. Je pense que c'est ma sœur Geneviève qui l'a. Moi, il demandait en fin de semaine. Vous allez voir que euh, vous voyez mon fils Mathieu qui me ressemble. Alexis me ressemble aussi beaucoup. Donc, tu as Alexis. Euh, Alexis me ressemble plus que Mathieu. Mathieu, il me ressemble, mais il ressemble beaucoup à sa mère aussi. Donc, tu aurais Alexis, euh, moi, mon père et mon grand-père. Vous allez voir que c'est assez. Euh, assez f... Puis mon grand-père fumait la pipe. Moi, j'ai pris ta mini tasse à espresso pour boire du jus de mangue et orange cette nuit. Oh! Ils sont belles, nos tasses. Hein? Julie, elle parle de ces petites tasses-là. sont vraiment belles. Et moi, je prends toujours un petit café l'après-midi. Depuis que j'écoutais. Depuis que j'ai écouté un reportage euh, sur la Finlande puis qu'ils prennent. Euh, Allô, Véro, chaudouin, euh, 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 Depuis que j'ai écouté la Finlande, qui prennent huit cafés par jour, moi, je me limitais à trois. <laughs> ils sont, sont heureux, eux autres, hein? La Finlande, ils sont heureux, puis ils prennent huit cafés par jour. <laughs> je ne me gênerais pas. Fait que euh, je prends des petits cafés un petit peu plus souvent. Ma tasse est trop belle. Je me sens. Je me sens. Euh, je veux bien, Féro. Euh, <laughs> <laughs> je me sens, euh, je me sens fancy en prenant ma tasse. Hein. C'est, euh, sont belles, ils sont belles. Hein. C'est sur notre site des fois que vous vous demandez ceux qui se demandent de où je parle. C'est sur françois -lambert, .one, hein. françois Lambert .one, Mais là j'ai la tasse blanche, c'est celle-là, café, hein, café euh, os. J'ai des demandes pour avoir une douzaine, donc ça va être la prochaine, euh, la prochaine étape. Là. J'aime juste le goût du café et le côté réconfortant. J'aime ça. Euh, euh, le côté réconfortant d'un café. Il faudrait que j'aille me faire psychanalyser, là, mais, euh, mais ça ne me tente pas. Hein? Comment tu fais ton café? Bien là, je le fais à ma, dans ma machine où j'ai cette machine-là. Une grosse machine sophistiquée. Hein? Donc euh, grosse machine sophistiquée. T'as bougé sans bon dans la maison? Ben oui! Ben oui. Fait enfin, toi, Julie Rainville, tu penses que tu as deviné la bougie mystère de, de ce mois-ci, de cette semaine-ci? Euh, parce que chaque deux semaines, on a une bougie mystère. Et euh, j'écris une petite histoire avec ça pour vous faire rêver et vous faire lire le, le statut. Et il euh, y en a qui pensent qu'ils l'ont. Souvent, vous êtes dans les patates. Souvent, vous êtes dans des patates. <laughs> C'est quoi, c'est quoi? Bien, va, lire la, des, va sur Facebook la lire et devine-la. Le but d'une bougie mystère, parce que les bougies mystères, euh, on ne prend pas les moins vendues, c'est vraiment l'inspiration du moment. Et celle que j'ai choisie aujourd'hui, hier, est une, quand même une très vendue. Euh, un peu comme le, le, le duo bougie du mois, là, qui est euh, Biscuit de grand-maman et euh, Canneberge. Donc, on vous l'a offert en spécial, le duo, on le fait chaque mois mais là on a choisi Canberge, qui est la plus vendue au mois de décembre pour vous permettre d'avoir une boîte cadeau aussi pour donner un cadeau donc euh, faut aller voir voilà, allez voir ça allez voir ça t'as adoré ton histoire Bien, j'aime ça j'ai de l'aide un peu pour écrire ce genre d'histoire là mais c'est mon inspiration quand j'écris ces histoires -là, là je me retrouve en enfance hein, parce que je lui dis hey, regarde j'aimerais savoir ça j'aimerais savoir telle affaire je veux me retrouver dans tel contexte puis je lui demande à Chat qui me mette des mots à travers de tout ça là. Mais pour écrire la petite histoire que j'ai écrite hier sur euh, la, la bougie mystère, c'est à peu près quand même 30 minutes de travail hein, pour revenir, essayer, dire non, ça c'est kécu, euh, non, ça c'est pas mon style. Donc, euh, mais euh, c'est ce qui se passe dans ma tête. J'aime ça faire ça. J'aime bien, bien ça faire ça. J'ambitionne encore de faire ma propre BD entrepreneuriale. Je n'ai pas terminé cette, euh, ce rêve-là. Je, je manque juste de temps. Oui, exactement. C'est comme ça que je me sens. C'est mon enfance, bobinette. Hein? que c'est exactement comment, comment je me sens quand je fais ça. Franc Franfreluche, Franfreluche, je a raconter une histoire pour vous amuser. Allô, Franfreluche. <laughs> J'écoutais même pas ça. J'écoutais moi les euh, euh, les barbes à papa. Mes plans aujourd'hui, euh, prendre la route. Euh, si je ne pars pas aujourd'hui, je ne ferai pas mon panettone. Ça ne me tente pas vraiment d'aller en campagne aujourd'hui. J'aimerais mieux y aller qu'à 4 heures du matin cette nuit. Mais je veux faire mon panettone Et j'ai besoin de 36 heures pour le faire à peu près. Donc, euh, j'ai refait une recette que je n'ai pas testée. Donc, je vais aller tester. Euh, euh, je vais aller tester, euh, je veux faire un panettone, pas pour Noël, pour vous autres, pour moi. Si j'en fais un, ça va être pour mon Noël à moi. Là. Donc, il faut que j'aille acheter aussi des, euh, des fragrances pour les guimauves. Donc, ça, c'est en partant. Donc, euh, j'aimerais mieux rester en ville pour en avoir devant que ma blonde, mais c'est le temps des fêtes et on a des choses à tester. Donc, euh, moi. Euh, c'est pas mal ça mes plans aujourd'hui. Et gros souper en perspective, une pizza. Euh, une pizza en, en vue. Euh, fait que voilà. Hein? Donc, c'est ça. Non, je veux tester le panatone, hein, puis mon frère va sûrement me trouver de l'ouvrage. Hein. Un prof en grève euh, a de l'ouvrage euh, à me donner. <laughs> fait que c'est pas, euh, pas mal ça. Mais je vais partir vers 10 heures max d'ici. Comme ça, euh, comme ça vais être, euh, va être reposé en campagne. Tu sais, juste faire le panatone après-midi, c'est long parce qu'il faut que je fasse mon levain après ça. Euh, je serais tiré à temps pour... Bien, c'est mon but euh, de sortir le Panatone au mois de janvier, euh, Julie. Même si euh, c'est typiquement Noël, bien, c'est bon à l'année. Puis moi, vous le savez que je n'ai pas de produits saisonniers. Quand on fait un produit, on le fait pour toujours. Est-ce qu'il y a moins de ventes dans certains moments? Bien, c'est sûr. Hein? C'est bien évident qu'il y a des produits qui sortent plus que d'autres, que dépendamment, mais on l'a à l'année. Puis le Panatone, je veux l'offrir à l'année, surtout que là... Euh, je suis équipé en four. L'électricien est venu plugger mon super four convecteur. Donc, avant, on avait un petit four. Là, on, a, euh, on est équipé. Là. On est équipé pour en faire cuire euh, beaucoup. Fait qu'avant, c'était limité. Donc là, on a un gros four à convection euh, qui a été plugué hier. Donc, euh, il manquait des breakers. Donc, ça, c'est fait. Euh, pas mal ça. Pas mal ça que je veux faire. J'ai poursu mes nouveaux sacs de guimauve, euh, probablement euh, juste, juste avant Noël. Juste avant Noël, d'après moi. Comme les, euh, les bouteilles de shampoing sont encore sur le bateau pris à Vancouver. Donc, euh, j'attends vers le début, début décembre, euh, fin décembre. Mais euh, regardez, la liste est déjà pleine de mois de janvier, là, On va avoir un paquet de nouveaux produits. Le, le, le masque à la citrouille, j'espère avant Noël. Ça, il y a une possibilité que ce soit avant Noël. Mais le masque anti-âge là pour euh... hmm. mon test de sirop de café il est encore dans le frigidaire j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps parce que quand je teste des cosmétiques ça prend tellement de temps à faire les recettes les lire les essayer les comparer euh, s'assurer que tout est correct regarder le temps fait que des fois je manque de temps pour faire une chose de base qui est juste de tester du sirop infusé au café je l'ai ici je vais le moi le sortir, faut que je le sorte pour le goûter à température euh, pièce, pas froid parce que ça goûte pas pareil. La seule chose que je goûte froid, c'est le sirop bourbon. Hein. puis j'en ai parlé cette semaine parce que j'ai eu une belle revue fait que j'ai fait un statut Facebook du sirop bourbon et euh, on en va beaucoup. C'est un sirop, les gens n'osent même pas l'ouvrir notre sirop bourbon j'ai tué ici la bouteille. S'il y a des mots qui t'ont fait pleurer mon ange. Ou d'autres qui t'ont regardé. S'il y a des idées, quelquefois qui dérangent, j'en ai qui font danser tout. tout. Euh, le sirop infusé au bourbon, ça, les gens n'osent même pas l'ouvrir. Hein? Est-ce que vous avez un dermato professionnel de la santé dans votre équipe pour les cosmétiques? Je suis le dermato spécialiste professionnel de la santé, Bon, mais ben, Oui. Je le suis, je le suis. On fait tout approuver par la suite. Là. Je travaille, c'est moi qui fais les recettes de tout, de tout, tout, tout. Et, euh, mais je travaille en collaboration avec des spécialistes là, pour les faire approuver mes recettes puis demander qu'est-ce qu'ils pensent. Puis quand ils me donnent un thumbs up, on, on avance pour le faire approuver, tout simplement. Quand tu regardes les histoires euh, entrepreneuriales, mettons de L'Oréal qui a fait des crèmes, euh, quand tu regardes toutes les histoires entrepreneuriales, ça a tout commencé il y a 100 ans dans des cuisines et aujourd'hui, c'est avancé. Là. Donc, euh, voilà. Hein? Tu as donné la tienne à ta bru. Bien, c'est ça, le monde ne veulent pas l'ouvrir, ils y en donnent en cadeau. Buvez-la, ta barnouche. Moi, j'apprends sur glace. Je ne mange pas des crêpes, sinon, j'en mettrai un peu sur mes crêpes ou, dans le, ou dans les, sur les gaufres, là, mais pas dans la cuisine. Pas dans la cuisine. Mais pour le plaisir. Je me suis réveillée vers mon cadran, c'est rare. Quand je, fais, euh, quand je fais les débatteurs, je me couche pas mal plus tard. Et euh, j'ai la misère à me lever le matin. J'essaie de me lever à 6 heures du matin quand je fais les débatteurs. Mais je me couche à minuit et demi, donc c'est un petit peu. J'ai pas de misère à dormir, pas beaucoup. Quand je me couche à 9h, c'est quand je me couche à minuit et demi que le sommeil se rattrape. Et ce matin, euh, ce matin, je me suis réveillé à 5h55 complètement bien réveillé. J'ai fait comme « Yes! » Je peux me lever et partir la journée de bonne humeur. Il n'y a rien de pire que se réveiller tout croche. Tu ah, Merci Pierre, merci Chantal. Merci, merci. Très, très intéressant le débat sur le gaspillage alimentaire. Et j'ai encore créé un fou rire. Je pense que mon cerveau, il est fou. Le <laughs> euh, 100 ans, c'était le début. Compétitionner dans ma cuisine. Mais non, mais je ne fais pas de. Euh, si des fois, vous me posez des questions, puis après ça, vous dérapez. Là. Mes produits ne sont pas faits dans la cuisine. Okay? Ils sont testés ici. Okay? C'est tout fait. Dans ma savonnerie, c'est tout fait dans mon usine. Arrêtez, là. Arrêtez de capoter. Vous me demandez qui fait les cosmétiques. C'est moi qui fais les cosmétiques. Je ne pas pour vous inventer que c'est pas moi qui ai fait. C'est moi qui fais les recettes de panettone. C'est moi qui fais les recettes de biscuits pouffelins. C'est moi qui fais toutes les recettes point. C'est ça, ma passion. Est-ce que je travaille tout seul? Bien non, je ne travaille pas tout seul. ici, boire, c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie, là. Euh, je vais tout en cuisine. Faire un shampoing, là, c'est pas si compliqué que ça quand tu sais les ingrédients. à un moment donné, tu deviens spécialiste, la même chose que je t'ai pas cuisiné. Je n'ai pas de, fo de formation en ITHQ. Et toutes les recettes sur mon site, ça vient tout de nous autres. Donc, euh, à un moment donné, arrêtez de capoter, si Si vous me posez une question, arrive euh, achète les pas mes produits si vous, pas de bonne humeur. C'est tout, là. Moi, ils vendent un autre, là. Je vais y vendre à quelqu'un d'autre. Je ne fais pas de la scrap, si boire. Euh... Il y a toujours quelqu'un qui devient fatigant, là. T'sais? Oui, j'ai une équipe de spécialistes. Un paquet de PhD, ici. -là. là, on travaille là-dedans. Pas... Oui, euh... oui c'est parce que là, tiens. Oui, c'est parce que là, oui. Est... Tu l'aides un spécialiste, là? <laughs> tu l'aides d'un un spécialiste, là, tiens. Hein? Ça va être réglé pas mal. là. Hein? Je viens de me déclarer spécialiste. C'est pas mal fait, là. C'est pas mal réglé ça, cette affaire là, là. bah, bon. c'est correct là maintenant, hein, bah, bon. fait que euh, c'est ça, hein, on va arrêter de me dire que je suis pas un spécialiste c'est boire, fait que euh, c'est ça. <laughs> Euh, que ça devient fatigant, ça devient fatigant. Là. On fait des produits de haute qualité, là, OK? De haute qualité, Pour on les fait approuver. On n'est pas en train de faire des choses sur le bord d'une table tout croche, OK? On les teste pendant des mois et des mois, on regarde. Je compare avec les autres qui, euh, qui le font. Euh, donc, euh, faites-vous en pas, là, OK? Si vous avez des doutes, vous avez juste à pas les acheter, mes produits. J'ai pas de problème. Mais je sais que je fais des produits de haute qualité et que les gens voient la différence quand tu utilises nos produits, tout simplement. Donc, euh, voilà, 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 voilà. Euh, la joke hier, c'est parce que je me suis trompé dans un mot et je sais que Déborah... Euh, euh, Déborah me reprend régulièrement. On a, on a une relation, Déborah et moi, de, euh, de respect-haine. <laughs> on... On se respecte énormément, puis j'adore Déborah, mais on n'est jamais d'accord. Puis quand on est d'accord, on est tellement d'accord que je ne sais plus quoi dire. Euh... Euh, pas de problème, mais pas. Bon, C'est, que ça devient. Il y a des questions qui deviennent plus lourdes que d'autres à un moment donné, parce que je vous explique, et vous pensez tout le temps que ça prend des grands spécialistes, puis des PhD, puis un euh, laboratoire pour, euh, pour avancer. Euh, oui, quand tu utilises beaucoup de produits euh, euh, chimiques, peut-être, mais on n'est pas dans le chimique, on est dans le naturel. Là. Donc, euh, ouais, pas, Je ne veux pas dire amour-haine, parce que c'est pas de l'amour, c'est du respect. Mais en même temps, des fois à puis j'aurais le goût de, de, de taper ses mains. Puis je pense aussi fait hier je me suis trompé de mots. Et je savais que mon mot n'avait pas du sens. Fait que je me suis juste reviré vers Déborah pour qu'elle me corrige. Et euh, bien entendu, elle m'a corrigé euh, comme une belle, euh, une belle, euh, pas une belle, mais une bonne euh, professeure d'école. <laughs> j'ai demandé, j'ai fait une passe à la palette. Faut, on fait des débats sérieux, mais il faut s'amuser aussi. Là. Donc, euh, donc euh, voilà. Hein? Oui, tu peux me raconter une, une blague. Euh, de l'érable dans le savon? Non, c'est une fragrance, c'est une, une huile qu'on fait. Est-ce qu'il y a de l'érable dans le sérum? Oui, c'est de l'eau d'érable. Est-ce qu'il y a de l'érable dans la crème pour le visage? Oui. Dans le, la crème solaire? Oui. Euh, donc, on utilise l'eau d'érable dans tous nos produits. Euh, mais pour avoir l'odeur d'érable, c'est une odeur fabriquée, bien entendu. Hein? Parce que l'odeur, l'érable euh, ne sentirait pas. Euh, et tu ne peux pas te laver avec euh, du, une tire d'érable non plus. Euh, C'est là que Michel est parti à rire. Ben oui, parce que c'était drôle. C'était un bon moment. Puis écoute, honnêtement, on était crampés de rire pendant la pause. Euh, c'était le fun. C'était le fun. T'sais. Puis pendant ce temps-là, on a une oreillette hein, quand on parle, quand on fait les débatteurs. Et euh, on se fait toujours parler, OK, la pause dans 30, la pause dans une. Puis euh, même eux autres étaient crampés de rire euh, en, en régie de, 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 du petit amusement qu'on a eu, Déborah et moi. Fait que, tu sais, il faut s'amuser. Le débat, le débat il est sérieux, là. Hein? Mais il, moi, j'ai toujours cru qu'on peut parler de tout et de rien en, en faisant de l'humour ou en s'amusant, tout simplement. Donc. Euh, donc, euh, c'est ça. Hein? Ouais, c'est là que Michel est parti arriver, justement. Ta prochaine date avec Marilyn, pas de game de te peigner de même. Non, 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 j'ai pas beaucoup de dates avec ma blonde. Euh, on travaille tout le temps. Puis elle m'aime monoparentale. Fait que si, si je vais voir Marilyn, je me peignerai pas euh, <laughs> comme le savant fou que je viens de faire. <laughs> comme ça, là. Allô Marilyn? M'aimes-tu? Ça prend de la, la conviction, hein? <laughs> euh, Coupe-toi les cheveux, maudit pouilleux, ta barnouche. Hein? Coupe-toi les cheveux, maudit pouilleux. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Bon matin, Martel. Donc, on s'en va à la campagne. On va me rentrer du bois, on va me faire un feu de foyer. <laughs> euh, ben je suis bonne mère aujourd'hui. Euh, je suis pas mal tout le temps de bonne mère. Si tu arrives comme ça, ouais, pas sûr, Lucie. On <laughs> va me mettre les chances de mon mort. <laughs> euh, elle m'écoute pas le matin, c'est l'heure où ce qu'elle va... Parce qu'elle va, va porter Gaël. L'école, est à peu près un kilomètre, donc elle va le porter à pied, puis elle va le rechercher. Euh, l'eau d'érable est un produit qui périme très rapidement. Comment gérez-vous l'approvisionnement de l'année? On la congèle. On la congèle. L'eau d'érable se congèle très bien. Et euh, on peut la traiter aussi, hein, faire de la flash pasteurisation, comme Maple Tree, c'est exactement ce qu'ils font. Ils font, hein. euh, ils font de, de la flash pasteurisation. Donc, euh, mais l'eau d'érable se congèle très bien. Le lait de brebis se congèle très bien aussi. Donc, euh, c'est comme ça qu'on les, euh, qu les garde. Comme, euh, comme la citrouille. La citrouille, on les congèle aussi. C'est la même chose pour en avoir à l'année. Euh... D'ailleurs, euh, je vais en parler demain matin sur en prenant votre café, mais euh, tu sais, le gaspillage alimentaire, il y a un point que je n'ai pas pu apporter hier, que je n'ai pas eu le temps. Donc, euh, je suis en train de le préparer pour l'élaborer. Ça va être trop long pour l'expliquer ici. Là, je vais en profiter pour aller finir mon, mon argument que je vais me faire tout seul euh, pour demain matin sur YouTube. Donc, je vais reparler du gaspillage alimentaire, mais sur, euh, sur les fermes. Hein? J'ai vu que Maple Tree était un commanditaire dans OD. Je me demande si je, je me demande pourquoi les gens font de la commandite comme ça parce que, parce que ça ne marche pas. On me l'a demandé souvent, moi, de, de faire des commandites, supposons dans la Big Brother, de faire des concours avec le popcorn et tout ça. Mais je n'embarque pas parce que ça coûte cher et ça rapporte pas. Ça rapporte pas. Une demi-heure de direct euh, gratuit comme je fais là rapporte beaucoup plus en retombées financières pour moi que de faire une pub dans les journaux, ou à la radio ou même sur Google. Hein? Allô, en direct de dehors, t'es-tu habillé comme il faut? T'as-tu mis ta suite euh, complet, marie andré parce que là, aujourd'hui, quand même, c'est tout le monde qui est en grève. Là, hein? là ça, va, ça va jouer du coup dans les prochains jours. Là. Attention, là, dans les dans les insultes var, var, verbales, là, ça va y aller à taux de bras euh, euh, dans les prochains jours. On va être gâtés. Là, hein? Surtout si on est en grève jusqu'à vendredi prochain, jeudi vendredi prochain, là, ça ne sera pas beau dans les journaux. Là. Ça, le ton lève un peu. Et euh, les, les syndicats, ils disent. Euh, on n'est pas pour perdre nos acquis. T'sais, on va avoir plus d'argent, mais pas perdre nos acquis. Pour eux autres, puis pas juste les profs, tout le monde, là, de perdre le pouvoir des syndicats qui décident pour tout, pour eux autres, c'est un recul. Ben oui, mais il faut reculer à un moment donné. C'est que c'est allé trop loin. C'est allé trop loin, euh, les, les syndicats qui se sont octroyés. Là. Comme dans la construction, c'était la même chose à un moment donné. C'était les syndicats qui décidaient qui travaillait sur quel chantier. Qui avait été à l'affaire. Je pense que ça se fait encore comme ça à l'occasion, mais de moins en moins. Euh, tu sais, il faut. Re... Des fois, là, des, des... on va trop loin parce que les gouvernements ont peur. Là, Maintenant, c'est le temps de. Oui, reculer. En échange, ils ont plus d'argent, mais vous allez reculer. C'est normal. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut comme dans, dans la société. j'ai hâte, hâte de voir comment ça va évoluer tout ça. Foutu syndicat. Oups. Ils ne pas. Ils ne pas des fois, pour avoir l'amour du public. Là. Ouais. Bien, pas, Daniel, moi, je ne suis pas prêt à aller là. Pour moi, ils peuvent rester dehors longtemps. J'aime pas que les gens, que les grévistes, euh, les syndiqués se fassent prendre en otage par les incompétents qui sont leurs boss au syndicat. J'aime pas ça. Euh, les gens sont des victimes. Les syndiqués sont en ce moment victimes des têtes fortes. Euh, qui ont voté pour la grève, des têtes fortes qui maintiennent, et les têtes fortes qui ne veulent pas négocier avec le gouvernement pour montrer qu'ils ont gagné parce qu'ils ont mené en grève. Hein? Donc euh, leur « power trip transperce l'écran, effectivement, Éric. Et euh, on est pris, on recule, et après, le gaz au fond, effectivement. Donc, euh, j'aime pas parce que les syndiqués sont des victimes là-dedans. C'est pas vrai qu'ils qu veulent la grève. Hein? C'est pas, pas vrai que tout le monde veut la grève pas toutes. Mais ils n'ont pas le choix de dire oui, parce qu'ils vont, euh, vont se faire péter des pneus. Fait que tu dis « Ouais, la grève, tabarnan, ouais, on y va. Hein? » euh, Très mauvais timing pour l'ensemble du Québec. Ce n'est pas le gouvernement qui est à blâmer là-dedans. Euh, L'économie du Québec va s'en souffrir, parce qu'on est juste avant Noël. Et euh, le budget euh, probablement réservé pour... Euh, pour euh, pour euh, Noël vient, vient de couper. Hein? Donc, euh, euh, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement se doit d'aller chercher plus de pouvoir pour en enlever un peu au syndicat. C'est normal. Là. Quand tu n'es pas capable de réaffecter quelqu'un euh, dans une classe parce que le syndicat dit non ça ne se passera pas comme ça, C'est pas normal. Il n'y a, y a, a rien qui peut être normal là-dedans qu'un patron, j'aime pas le mot patron, là. Mais qui ne peut pas décider l'affectation de ses ressources. Les syndicats sont là pour. Pourquoi? Pour dire non, ça ne marche pas comme ça. Dire non à tout, ce n'est pas de même qu'on avance dans la société, c'est pas de même qu'on avance dans une, dans une entreprise. Tu sais, dans mon entreprise, moi, si quelqu'un dit toujours non, 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 je ne fais pas ça comme ça, non, je ne pas comme ça, tu sais, à un moment donné, je vais être obligé de dire, Garde, parce que c'est ma direction, je m'en vais dans cette direction-là parce que le client va aller dans cette direction-là. Euh... Ben, ils pensaient avoir le timing parfait, ben, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Les gens qui sont. Regardez, là, les quatre têtes qu'on voit euh, à la tête des syndicats. Sincèrement, je même pas directeur d'un département chez moi. Je trouve que ces gens-là sont vraiment incompétents, sans bon sens. Euh, ils n'ont pas la gestion. Le, 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 ils veulent juste gagner. Et tu ne peux pas être là juste pour gagner. Euh, Magali Picard, qui dit qu'il n'est jamais à la table de négociations, mais toujours. En, à TV, en train de dire « J'ai négocié ça, par contre. Hein? » Moi, ce soir, c'est une pizza du Costco. Oui, oui, oui. oui. Hein? C'est sûr que c'est euh, pas mal ça. Là. Fait qu'ils les ont emmenés en grève en voulant gagner, et c'est les syndiqués qui perdent, qui sont obligés de dire qu'ils sont d'accord et qui, qui perdent en ce moment. Euh, les syndiqués, euh, elles, ça se la pète en tabarnouche, Éric. Hein? Ce que je trouve plate, c'est les gens les plus vulnérables qui en paye le prix. Ben oui, les parents sont pognés avec leurs enfants en ce moment. Euh... Pas c'est Bien non, effectivement, euh... t'as pris deux jours quand même. Ben oui, c'est ça, en les 15 par jour. Mais arrêtez de parler des Kings, là. Ok, les Kings, là, c'est une stupidité puis c'est une anecdote. Tu peux pas comparer l'argent qu'on a donné aux Kings euh... et euh ce qu'on va donner euh, aux fonctionnaires. C'est une imbécilité, ça, OK? Euh, ça n'a aucun... C'est une anecdote stupide, et il n'y aurait pas dû le donner, mais on ne peut pas le comparer dans les convents. On ne peut pas mettre ça de point de comparaison, là. Le 30 des députés aussi, c'est une stupidité, mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Tout ça, c'est con. Le 30 des députés, l'argent au Kings de Los Angeles, tout ça, c'est stupide. Hein? Euh, ça n'a pas sa place. Ça n'avait pas sa place pendant tout. Puis de toute façon, je persiste à dire que le salaire des députés ne devrait pas être augmenté, il devrait être réduit, tout simplement. On ne se lance pas en politique pour aller chercher un salaire. On cherche, en, on se lance en politique pour aller changer quelque chose. Si on n'est pas capable de le changer, on se retire. Si je me lance en politique, là, un jour, ce qui n'arrivera pas, mais je m'en fous du salaire bien raide. Hein? Je m'en fous bien raide, ben raide, du salaire. Je ne suis pas là pour aller faire de l'argent, techniquement. Euh, je suis posé à en faire plus en ce moment. Bien, je ne fais pas 200 000 par année avec mon entreprise parce que je réinvestis tout. Là. Mais, euh, mais, euh, mais techniquement, si je travaillais pour une grande entreprise, probablement, avec mon expérience, je gagnerais à peu près 500 000 par année. Donc, euh, euh, donc est-ce que je me lance en politique pour faire de l'argent? Perdre 300 000 par année pour aller faire 200 000, si je suis. Euh, euh, si on me nommait ministre, je vais perdre 300 000 pareil. Donc, tu ne te lances pas. Là, on veut ce calibre-là de gens là, pour lancer en politique. Pas des gens qui n'ont jamais rien géré, qui se ramassent pour aller chercher une pays. Euh, ce n'est pas important, là il va dormir. Bon, on a bye. Bloqué. Bon. Euh, Oh, je l'ai bloqué, Pierre. Une fatigante qui vient me dire d'aller me coucher. jai suis là un gars qui est fatigué, Je ne me trouve pas fatigué pantoute. »« tout. Euh, donc, ils euh, ne peuvent pas faire de l'argent selon toi. Seulement. Les travailleurs peuvent pas faire petit oh, blanc, blanc, Les travailleurs ne peuvent pas faire de l'argent selon toi. Qui? J'ai-tu vraiment dit ça, moi? Hein? J'ai-tu vraiment dit que les travailleurs ne peuvent pas faire de l'argent? J'ai-tu vraiment dit ça ce matin? La réponse est non. Euh, je suis rough, elle bloquait sûrement. Bien, tiens, je vais être rough aussi. Euh, bloqué, sourdine. Euh, mettre en sourdine. Tiens, on va avoir la, la paix. Hein? Euh, tu pètes le feu. <laughs> Merci, Mathieu. Euh, euh, tu si vous venez sur mon live puis à toutes les deux statuts, vous dites T'es fatigué votre coucher, t'es fatigué votre C'est sûr je vais te bloquer. Hein? Je vote pas, ça fait un bout de temps. Je suis pas sûr que je vais voter pour Éric Duhaime. Voyons, carnet de boules. Euh, euh, je voterai jamais pour Éric Duhaime. Là, jamais, jamais de la vie. Là. On m'a vous le dire, là, Si vous le saviez pas, là, Mais avant de proposer le poste à Duhaime, on m'a appelé, le Parti conservateur. J'ai parlé avec eux autres. J'ai dit, ça m'intéresse pas. Puis s'ils l'ont offert à Éric Duhaime par la suite, ça m'intéressait pas pantoute. Pantoute, pantoute, pantoute. Hey, c'est... J'ai autre chose à faire. Moi, je lance des entreprises, puis je chauffe pendant sept ans. Là. Euh, je me lancerai pas en politique pour partir à un parti sachant que tu ne gagneras pas d'avance. Hein? Mais non. Mais non, mais non, mais non. Je ne pas ça. Là, fait que... Tout ça pour dire... Bon, celui qui disait là, que, je, selon toi, les travailleurs... C'est parce qu'à un moment donné, là, un entrepreneur, arrêtez de penser qu'on fait de l'argent. Euh... C'est faux de penser. Est-ce qu'on se lance en affaires pour faire de l'argent? En partie, c'est la récompense de faire un, une passion, de transformer une passion en entreprise. C'est ça. Est-ce que cette passion-là va devenir rentable un jour? On est bien stupide de penser que ça ne viendrait pas. On travaille pour ça. Hein? Je me lève à 4h du matin, tous les matins, je vais arrêter à 10h le soir, j'ai la face dans l'écran tout le temps. Je suis tout le temps en train de penser à des solutions, à des nouvelles idées. C'est sûr qu'à un moment donné, je veux que ça devienne exponentiel, puis ça paye. C'est bien évident. Mais, euh, mais arrêtez de penser que les, les employeurs font de l'argent sur le dos des travailleurs. C'est complètement faux. Regardez, juste cette semaine, là, parce que j'ai un nouveau euh, euh, j'ai acheté un poêle qui m'a coûté plusieurs milliers de dollars, un nouveau, un nouveau fourneau. Euh, pour le plugger et arranger toute l'électricité en conséquence, ça a coûté 5000 d'électricité. On a acheté des nouvelles tables parce qu'on a changé un autre four. On a acheté des nouvelles plaques. Donc juste cette semaine. Euh, en réparation, en amélioration, on a dépensé 20 000 Donc, ça a l'air de rien, là, mais faites le calcul combien de sacs de pop-corn que je dois vendre pour payer, puis continuer à être rentable, puis payer les employés. Euh, donc, euh, laquelle genre 45$ pour une cuillère? Employé, salaire minimum? Là. Martel, je ne comprends rien. C'est quoi la solution pour arrêter la grève et que nos enfants retournent à l'école? J'ai pas la même solution. Euh, J'ai pas de solution. Euh, un fourneau pour faire cuire les biscuits à chien, entre autres, puis les futurs panettones, Un gros four à convection là, sur euh, deux étages. Euh, la solution à la grève, c'est de mettre. Dans n'importe quoi, c'est de mettre des gens qui n'essayeront pas de gagner. Là, on a des syndicats qui veulent gagner à tout prix parce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient pour gagner. Hein? Donc... Euh, tout simplement, de mettre des gens qui vont comprendre qu'une réalité entrepreneuriale, qu'une réalité du contribuable. Euh, en affaires, là, il y a le concept de win-win. Moi, je, cons je considère qu'il y a un concept win-win-win. Hein? Euh, donc, il faut que le contribuable gagne, il faut que le, le, le travailleur gagne, il faut que l'employeur gagne, tout simplement. Hein? Donc, c'est un un, un qu'il faut faire. Dans le cas des syndicats, c'est... Euh, euh, C'est qu'eux autres qui veulent gagner et jamais perdre. Donc, à chaque convention, ils veulent ajouter, pas ajouter, pas ajouter, pas ajouter. Tu ne peux pas ajouter tout le temps. Tu ne peux pas ajouter tout le temps. Hein? L'abolition des CA, des commissions scolaires. Bien, les commissions scolaires ne devraient même pas exister. Là. Salut, Mélanie. Donc, euh, vas-tu ouvrir une boutique quelque part autre que chez toi? Non, Alex, parce que j'ai des points de vente. J'ai des points de vente. Euh, j'ai 700 points de vente. Donc, euh, ouvrir une boutique. Euh, dans mon cas, à moi, si j'ouvre une boutique, vous pouvez compter en, en termes de mois l'espoir le, de, de, de vie de mon entreprise. Regardez, si j'ouvrais si une boutique, il faudrait que je fasse comme les autres. Nos bougies se vendent 21,99 Si j'ouvre une boutique, il va falloir que je mette le même prix de mes bougies à 35 comme les autres qui ont des boutiques. Qu'est-ce que vous préférez? Commandant en ligne, même si vous commandez qu'une seule bougie, je vais vous charger 10$ de shipping parce qu'en bas, tu sens les de 5$ de commande, c'est 10$ de shipping. Donc, même si tu commandes qu'une seule bougie chez moi, elle va te revenir à 31$, moins cher que si je la vendais en magasin. Donc, euh, c'est plus rentable et pour moi et pour vous de continuer à vendre en ligne que d'avoir euh, des points de vente et stresser d'avoir des boutiques. Je passe à tous les jours, mais tous les jours, je passe devant l'Occitane sur la rue Laurier. Il n'y a pas une journée que je me pose comme question comment qu'ils font. Il n'y a jamais personne. J'ai jamais vu personne dans cette boutique-là. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Et pourtant, c'est l'Occitane, un gros nom. Ils ont des produits de cosmétiques haut de gamme. Bon. Je fais attention avec les produits de cosmétiques haut de gamme, maintenant que je suis... Euh... un peu... Des fois, je euh, j'essaie d'être plus vite que les, euh, les modérateurs pour bloquer les imbéciles. <laughs> J'ai été plus vite que toi, Pierre. Je l'ai bloqué, Petruski. Euh, donc, c'est ça ma, ma philosophie c'est de maintenir des prix qui sont bas pour que ça ne vous fasse pas de différence. Hein? Ma compétition, là, qui ont des boutiques là, au Carrefour Laval, mettons, ils vendent 35$ la bougie. Euh, Joe Malone, jusqu'à 70$ la bougie. Et santé, quand, si jamais vous achetez notre bougie, euh, senteur cuir, fauteuil antique. Joe Malone en a une aussi. Sentez notre bougie, sentez celle de Joe Malone. Je peux les nommer, ils ne sont pas ici. Hein. Je ne ferai jamais ça avec une compagnie québécoise, là. mais Joe Malone, ça vient de London. Donc, euh, je peux les nommer et elle sent pas bon, tout simplement. Elle sent le vieux parfum, nous, ça sent vraiment les huiles essentielles. Euh, Peut-être qu'ils sont impliqués dans une revente de manière. Je ne comprends pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boutiques vides, je me demande. Moi, je me pose tout le temps que cette question-là, Brooke. Euh, Joe Malone met des produits chimiques. Bien, effectivement. donc euh, Mais vous payez jusqu'à 80$ US, jusqu'à 100$. Hein? Et euh, euh, Gwynette, elle, elle vend une bougie qui sent le. Bien, vous le savez, hein? Qui sent rien. Hein? Tout le monde le sait que ça sent rien, C'est la bougie qu'elle vend hein? <laughs> à 170$. Hein? This smells like. Euh, qui sent rien. Hein? Fait que. <laughs> Euh, euh, ben, euh, ben, ben, pas, ben, pas de problème, mon euh, Peter, tu peux rester ici. Euh, euh, Il y a quelqu'un qui sort recrée un compte à tour de bras pour revenir. Euh, c'est lui qui est malheureux. Moi, je m'en fous, on va le bloquer. T'sais. Il va juste se recréer un compte. Il faut être malheureux en tabarnouche pour me détester et se créer un compte pour revenir me détester encore. Il faut le faire. Hein? Lequel pour vendre, c'est facilement simple, c'est oui las tu acheté? Non, j'aime pas ce qui sent rien. Mais <laughs> ben non, je pas acheté. <laughs> Puis je ne vous en parle pas tous les jours de Gouinette, hein, par la bande un peu, parce qu'elle est dans les journaux à tous les jours en Angleterre. Il capote sur Gouinette, euh, par le show. Hein? Puis en plus, c'est une de tes mèches qui crépite, effectivement. Donc, mais euh, ben voilà. Donc, tout ça pour dire que non, je n'ouvrirai pas de boutique. J'aime mieux continuer à vous offrir des bons prix. Même avec le 10 de shipping, si vous commandez en boîte pièces, ça vous coûte moins cher que prendre votre auto, vous rendre au carrefour Laval et aller acheter une bougie ou euh, n'importe quel carrefour que vous êtes. Mais euh, ben c'est pour ça que je dis, il doit m'aimer beaucoup. Là. On vend nos produits partout, euh, Whisky de Saint-David. Partout, partout, partout. On a de plus en plus de clients américains. Et je travaille beaucoup mon SEO en anglais ben, depuis quelques mois, mais maintenant un peu chaque jour aussi pour devenir euh, une force au Canada. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai regardé, je suis rendu le 14e millième site au Canada. Je suis parti il y a un mois. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup depuis un mois sur l'amélioration du site. Et je suis parti il y a un mois, j'étais 25 millième. Là, je suis rendu 14 millième. Donc, j'espère, je m'étais donné six mois pour être dans le top 10 000 des sites au Canada. Donc. Euh, ça veut dire qu'on est de plus en plus populaire et que notre contenu est bon parce que quand vous venez sur mon site, puis Google aime ça, vous restez, vous naviguez sur neuf pages en moyenne, ce qui est énorme. Hein? Euh, C'est énorme. Vous, vous naviguez sur neuf pages. Et vous savez comment j'ai amélioré ça, le neuf pages? En mettant le fil d'Ariane. Quand vous voyez maintenant, vous voyez, ce supposons, page d'accueil, euh, la savonnerie et le nom du savon. Donc, lorsque vous pouvez vous promener facilement comme ça, ça fait que le nombre de pages que vous naviguez a augmenté de cinq pages. Par, et ça, Google capote dessus, fait qu'il dit, hey, j'envoie des gens sur ce site-là, puis il reste longtemps, donc je vais en envoyer encore plus. Donc, c'est la successive grade, tout simplement. Donc, merci pour ça. Merci. Euh, tu pourrais apporter beaucoup de positifs en politique. Ouais, mais on ne vote pas pour moi, Gabriel. Puis de toute façon, j'ai une entreprise. Pas souvent sur IFL euh, Goods, euh, Julie. J'en une, une fois de temps en temps. là. On ne met pas encore assez d'efforts. C'est un euh, des projets de Mathieu quand il va avoir fini l'école. Quand il va avoir fini l'école, il va pouvoir euh, mettre du temps là-dessus. Moi, j'aime mieux mettre le temps sur François -lambert one Et Mathieu euh, prend ce que j'ai là-dessus et l'améliore pour en faire une version purement anglophone. Donc, non, pas traduit, mais purement anglophone. Donc, euh, voilà. Hein? Allez, je vous laisse. Je vous laisse. Euh, bonne journée, tout le monde. Hein? Merci, Suzanne. Bonne journée. Et... Euh, Bien, venez nous voir sur françois -lambert O-N-E. Et euh, allez écouter en prenant votre café au tout début. Hein? Je parle des entrepreneurs et des entrepreneurs-re. Hein? voilà. Allez, bye tout le monde!